Salut chat, ça va ou quoi? Moi ça va très très bien. On se retrouve un live sur du Pokémon comme d'habitude. Sauf que là il y a une petite ambiance de live, donc ça fait plaisir. Du coup on est parti, let's go. Demain je serai pas dispo, donc du coup c'est pour ça, tac, hop, demain je serai pas dispo, donc c'est pour ça que je vous fais un live aujourd'hui. Normalement mes Pokémon sont soignés, logiquement, équipe, je crois que j'espère que c'est la bonne, parce que là... je vais juste enlever... je vais mettre Karmash un peu plus bas. Attends, on va le déplacer encore. Voilà, donc il va falloir bien réfléchir. Je devrais peut-être arriver à affronter au moins le conseil 4. Ça va être tendu, mais c'est possible. Tu vas attaquer à la ligue? Pas vraiment, aussi, c'est pour ça que je suis là. Battons-nous comme ça, on saura qui mérite vraiment d'être ici. Ah, ok. Bon, normalement, je devrais avoir le niveau. Pardon. Il a 6 Pokémon, enfin. Ça va pas être de la tarte. Bon, c'est ma première voilà, c'est ma première heure, donc tranquille, on live jusqu'à 10h30 à peu près. Donc voilà, jusqu'à 10h30 on live. Après je m'arrête. Malheureusement, je suis désolé, mais parce que j'ai des choses à faire. Du coup, c'est pour ça que je live aussitôt. Donc c'est là que vous écoutez la rediff, mais bonjour la rediff. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être tous les épisodes sur la chaîne secondaire, je vais essayer. Je vais essayer. Hop, presque KO, ça c'est bon ça. À niveau 64, mon Togeki, j'espère qu'il va tenir le coup. Voilà, let's go. Parce que j'ai beaucoup de Pokémon à battre avec le conseil 4, énormément d'ailleurs. Allez, ça monte de niveau, c'est parfait, c'est excellent. C'est justement là où il faut que ça monte de niveau, parce que... Il faut que ça monte de niveau, là il faut y aller quoi. Faut ça XP de ouf. Bah lame d'air, oui, ça peut être bien. Même si un type haut serait largement mieux pour Galopa. Mais bon, ça va. Vous avez vu toute la... tout ce que j'enlève d'un coup? Ça devrait aller. Pour 6 Pokémon, ça devrait passer. Allez, impeccable. Il faudrait que je prenne des élixirs ou des choses comme ça. Pour remettre des PP. Ouais, ça serait pas mal, ouais, mais bon. Allez, niveau 44, ça c'est beau gosse. Hein. Envoie un Scarino, ça c'est beau gosse. Allez, on est parti. Super efficace, ben vas-y, hein. Alors si c'est super efficace. Allez, c'est parti. Mist et flotte, ok, c'est parti. Lame d'air. C'est super efficace. Demain je pars à Toulouse Game Show, donc il n'y aura pas de live. Ah ouais non, demain malheureusement. Je ne serai pas là, je serai à la convention de Toulouse Game Show, donc je ne serai pas du tout dispo. Bon, avec un seul Pokémon, si j'arrive en bas de 6, c'est que ça devrait aller. Hein. Alors en fait, ça va être un peu plus embêtant, c'est tout. Ouais, voilà, légèrement. Il va régène. Soit il va m'endormir. Ok, bien joué. Pouvoir antique peut-être. Ouh, ça fait pas grand chose. Mais attends, mais c'est quoi le Ronflex là? J'arrive pas à voir ce que je pourrais utiliser contre toi. Bon, là il dort. D'un côté il va peut-être régène, donc au pire je change de Pokémon. Type électrique, je sais pas, peut-être un type... Roserad, ça peut être bien. Je me trompe peut-être. Hein. En soi, je me trompe peut-être, mais moi j'ai lancé un lacto aujourd'hui, ça m'a fait bizarre. Hein. Bah, je suis levé tôt, donc tant qu'à faire. Autant live, quoi, autant bosser, quoi, autant travailler, quoi. T'es giga sensu. Ah, impeccable, il pourra m'enlever de la vie, c'est pas si dérangeant que ça, vu que je régène quasiment à chaque fois. Il est relou avec son Bayman par contre. Normalement c'est bon, t'es éliminé. Et au prochain tour, normalement je suis endormi malheureusement. C'est ciao. Allez, 2200 d'XP, ça monte de niveau, c'est parfait ça. Karnash est bientôt obligé une
capacité, vas-y. Dynamo point, oui. 100, c'est pas mal quand même. C'est de type combat, donc j'hésite à enlever Explos Force en vrai, parce que corps perdu, c'est quand même pas mal. J'ai enlevé Explos Force. Pourquoi? Parce que c'est pas terrible en fait. Comme truc pour lui, et du coup, c'est largement mieux Dynamo point. Let's go. Torterra. Ah, un type feu là, il me faudrait putain que les types plantes. Bah là, type plante contre type plante, ça va être très difficile, surtout qu'il dort. Type électrique, non. Ah, peut-être vol, ouais, mais type vol, ouais. Bah oui, ça aurait été efficace, mais il dort. Bon, bah go. Go pic-pic, mais pic-pic, c'est pas terrible quoi. Ou soit, ouais, des attaques de type eau, vas-y. Soit on l'a presque battu, c'est son dernier Pokémon. Ça va aller vite. Et évite l'attaque, ça c'est beau gosse. On va utiliser son mur, va. Ça fera davantage de dégâts. Et c'était un coup critique. Oh là 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 là. Salut Dan, apprends laser glace à ton. Ah oui, pas con. Mais il faut que je les trouve où ces capacités là. Yo yo yo, ça va ou quoi? Désolé, je commence le live hyper tôt. Parce qu'à 11h je taffe jusqu'à 14h. Ensuite cet après-midi je vais faire la vidéo. Ce soir je travaille. Demain je vais à la convention. Je suis pas dispo trop du week-end, donc c'est pour ça que je live ce matin. Donc je suis pas, voilà, c'est pour ça que je live très très tôt. Je live jusqu'à 10h30. Donc on a 1h30 ensemble entre guillemets, si y en a voulu rester. Voilà, mais c'est pas terrible, pic-pic. C'est vrai que laser glace, bon, il est mort, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas le conseil. C'est le conseil 4, donc c'est pas. Mais c'est pas le conseil 4, c'est mon rival, donc mon rival, ça va être rapide. Ah oui, non, mais ça, par contre, c'est interdit, ça. De régène comme ça. Et le problème, c'est que j'ai mon Togekiss qui a dormi. Ben, on va aller acheter tout ça. Ils ont lance-flamme aussi ou pas? Je pense, à Volaroc. Est-ce que tu penses qu'à Valorant ils ont lance-flamme aussi? Ouais, mais mon putain de piaf il dort là. Comme ça je le mets à Karmash. Ça devrait pas trop m'attaquer normalement. Et tonnerre aussi, oh nice. Alors tonnerre, je sais pas si je vais le mettre, oui peut-être. Oh, putain, mais en plus il se réveille pas. Allez, ouais, je m'en fous, je vais pas le réveiller avec une capacité, ça sert à rien. À part si je crève, ça devrait aller. Réveille-toi! Et lui, il régène comme ça. Putain, mais c'est horrible. Allez, réveille-toi. Merci. Allez, voilà, c'est ciao. Ah, mon Togekiss, il est badass. Hein. Il est badass de chez badass. Ah là là, ouais, je me suis réveillé grave tôt, j'avais même pas mis de réveil, j'ai pas, je vois, il est 7h50, je fais bon, ben, j'arrive pas à me rendormir, autant me réveiller, quoi. J'ai battu le fumier. À la place de vol. Éclat magique à la place de vol. Mais je trouve ça ouf, ouais, au niveau de éclat magique. D'ailleurs, ça y est, enfin, je suis très content, le Black Friday, là, il est... Oh là là, il fait plaisir le Black Friday en ce moment sur Amazon. Ah oh ouais, de ouf. Alors attendez, je vais voler du coup. À la place de vol, ouais, un peu, oui. On va aller à Volaroc d'abord. Tu le trouves aussi à Volaroc? On va voir ça de suite. De toute façon, il faudrait que je régène mes Pokémon, dit teuf. Je vais avoir des bêtes de Pokémon en fait là. Faut vraiment qu'il évolue en Karchakrok. Hein. Je vais avoir une bête d'équipe. Hein. Là, pour moi, c'est ma meilleure équipe. Vraiment, hein. De tous les jeux de Pokémon que j'ai eu, c'est ma meilleure équipe. Ah ouais, non, mais vraiment. De tous les jeux confondus. D'ailleurs, on peut aller voir ça. Attends, mais Togekiss, il apprend peut-être lui-même. Attendez. Togekiss.
Kiss apprend. Attendez. Attaque. Pokémon. Scintillant. Niveau. Bon, on va voir à quel niveau il apprend ces putains de. D'attaque là. Il apprend. Attends, mais c'est pas fini parce que puissance. Lame d'air piqué, vitesse extrême. Ouais, mais ça c'est pas. Attends, voyons. Et ouais, mais ça c'est pour la 7ème génération, c'est pas pour le Pokémon scintillant. Moi je sais pas du tout. Aéropiqué, nanana, 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 Togekiss, Pogetool, nanana. Perle scintillant. 2. Putain, je sais même pas écrire perle, gros. En plus, aujourd'hui, j'ai du taf parce que sinon, ça va être compliqué. Attends, 2 secondes. Togetic, Togepi, oui, non, mais au pire. Son grand frère. Éclat magique. Attaque obtenue par CT. Ah oui, non, c'est une CT. Je pourrais pas l'avoir tout de suite. Pas d'effet supplémentaire. Nanana, nanana. Ok. Il va la prendre un peu plus tard. Tu voulais, non? Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Mais le gobou, je vais l'avoir un peu plus tard. Déjà, j'allais au centre commercial. Je finis juste la ligue. Là, là, ma priorité aujourd'hui, c'est la ligue. On finit la ligue, on fait la ligue. Enfin, si on y arrive, après, si on n'y arrive pas, tant pis. C'est à quel étage déjà? Ça, c'est les attaques. J'ai pas une thune énorme non plus, donc. Mais remarque, je peux revendre des Master Ball. Mais frère, ça doit valoir une thune énorme, ça, les Master Ball. Ben ouais. Mais ça doit valoir une thune énorme, les Master Ball, en vrai, non? Bah ouais. Vu que tu peux les dupliquer. Eh, mais sont. Non, mais c'est... ça, c'est les CT, mais c'est pas les bonnes. Ah, lance-flamme, ouais, vas-y, de suite. On me l'a conseillé pour le mettre sur. Sur... Tonnerre aussi. Je vais le mettre sur. Et après, tu m'as dit quoi, laser glace? Merde. Yo, David, ça va ou quoi? Et tu veux pas attendre, style 15 minutes avant de faire la ligue? Tu veux pas attendre 15 minutes? Pourquoi? Bah moi il neige pas du tout, il pleut. Ah oui, c'est sûr, c'est de la pluie. Hein. Ouais, parce que nous on est plus bas au niveau. Éclat magique, ah yes. Attends, mais ça fait quoi? Libère une puissance décharge. Décharge lumineuse qui inflige des dégâts à l'ennemi. Allez hop. Pourquoi je dois attendre 15 minutes? Parce que t'as bientôt fini ton taf dans 15 minutes, c'est ça? Je vais revendre mes Master Ball que j'ai. Ça doit valoir des thunes énormes en vrai. Et dans 15 minutes, je pourrais te regarder. Mais je m'entraîne un peu, vas-y. Dans 15 minutes, ça devrait aller. Vas-y, vas-y. Je vais faire des duplications. En attendant, je vais faire un masse de thunes. Vous ne pouvez pas vendre cet objet. Oh, c'est con. Oh, c'est complètement con. Ça, ça pourrait valoir des thunes énormes. Qu'est-ce qui vaut cher en vrai? Pour que. Oh, 4900, c'est pas mal. Même ça, c'est les protéines. Ah ouais, mais je peux. c'est trop abusé. Mais je crois qu'il y a les perles. Ouais, les perles, mais ça vaut pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais mettre à mes Pokémon. Sac. Ah, moi je veux bien ton super bonbon. Oh, attends, Dan, t'es toujours là. Je veux ton super bonbon. On va faire un échange en même temps. Mais on va tout faire. On va tout faire. Attends. On va tout faire. Mais vas-y, David, va faire l'aquagym là. Et d'ici 15 minutes. Et puis reviens dès que tu peux. Ouais. Éclat rock, piège de rock, nœud de fer, ultra laser, vampi point. Ah merde, elles sont où ces putains de.
Escalade. Éclat magique. Utilisé pour Togekiss. Oui, je veux l'utiliser. Choisissez une capacité. Et à la place de vol, tu m'as dit. Alors, c'est combien au niveau d'attaque? 80. Allez, vas-y. Ébullition, rayon chargé, lance-flamme, ouais, on va le mettre à Karmash. Du coup, il va être hyper badass. Attends, sur quel Pokémon? Attends. Bon, oui, attends, on va faire lance-flamme. Hop, à Karmash d'abord. Il est level combien ton Karmash? Il est level que 44, mais c'est pas grave en soi. Il faut que je lui apprenne, on me l'a conseillé et je pense que c'est le mieux. Mais j'ai enlevé tranche. Là, remarque, morsure. 90. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Parce que les attaques de type sol, c'est hyper. Non, ça c'est sûr, séisme, mais j'enlève pas dracogriffe non plus. Mais morsure, c'est bien, ouais. En souterrain. Non, mais je vais le monter. Ah non, j'ai quand même envie de le voir évoluer. Non, enfin, même si toi, il me manque un level. Non, 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 en vrai, ça va, t'inquiète. J'ai le Karmash que j'ai là, t'inquiète, t'inquiète. Je vais pas non plus... voilà, je vais pas non plus m'élever au plus haut niveau. Non, t'inquiète, t'inquiète. On va gérer. Lance Glacier Glace. On va le mettre à Pangoléon, du coup. Et je pense qu'on sera bon, en vrai. Non, j'ai envie de le voir évoluer maintenant que je l'ai fait monter de niveau et tout. Tant pis, il est que niveau 44, c'est pas grave. Ça fait un peu faible pour la truc. Alors, Laser Glace. Bah, Laser Glace, en vrai, ça va être Aqua Jet qui va dégager. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce que, bon, certes, c'est une priorité, mais il n'y a pas une grosse. Il n'y a pas de grosse. Allez, Laser Glace. Ah oui, Tonnerre aussi. On va te la prendre, mon pote. Comme tu veux, je pourrais mettre un super bonbon et paf, ça fait des chocs à pic. Ouais, j'ai. C'est vrai. Mais non, non, c'est bon, t'inquiète. Je vais me dupliquer les super bonbons et je vais me faire monter de niveau comme ça au pire. Oui, oui, voilà, on va tricher un petit peu. Enfin, y a pas de honte, hein, c'est, sinon ils n'auraient qu'à pas mettre ce glitch. Hein. Enfin, ils ont pas fait exprès, tu me diras, mais... Fatal Foudre, je garde, même si... Ah, remarque, tu vois, c'est pas si ouf que ça. Il est paralysé. Bon, Cage Éclair, en vrai, je vais enlever Cage Éclair en soi. Bon, je vais enlever Cage Éclair. Même si Fatal Foudre, je pourrais l'enlever parce que en soi... C'est pas terrible quoi, enfin en vrai il y a que 70% de précision. Allez, on va faire des duplicata là un petit peu. Par contre j'ai pas masse de Pokémon. Je vais aller capturer 2-3 Pokémon un peu merdiques là par là. Je vais me faire une full équipe de Pokémon assez merdiques, tu vois. Ouais, comme ça je les utilise que pour ça en fait. Genre si que Notor, si ce que vous voulez, enfin bref. On va aller se faire ça rapidement. Sac. Non, non, attends, je voulais voler d'abord. Carte. Non, mais je vais carrément aller dans un endroit où vraiment ils sont level très très bas level quoi. Je m'en en capture plein là et puis. On va faire ça vite fait. Ta-da-da-nam. Allez, 2-3 Pokémon, la viteuf, là qu'on n'en parle plus. Allez, c'est parti. Oh, et Tourmi. Oh là là. Ça, je pourrais avoir 6. Ah ouais, 6 super bonbons à chaque fois, ça peut aller vite de ouf. T'en as combien de super bonbons sur toi là? En vrai, si t'en as beaucoup, j'aimerais bien que tu me les finisses. Non, je déconne. En vrai, c'est vrai que d'un côté, oui, si t'en as plusieurs, je peux m'en faire 6 par 6, ça va aller vite. Allez, on va capturer. Après, je vais faire des Master Ball aussi. Ah, il faut faire des Master Ball aussi, mon pote. Hein. Ah, bah, je vais en profiter de ouf. Hein. De ouf. Oh, mais genre, je suis niveau 60, t'es niveau 5, mon pote. Et tu sors de ta putain de Pokéball. Attends, on va mettre une Hyper Ball si t'es pas content. Non, mais c'est incroyable ça. Je sais pas, je suis en fight avec ces Karmash. Mmh.
Oh, j'ai pris 1% d'XP, gros. Bon, après, on va tous les dupliquer en d'autres Pokémon. Je vais peut-être même les dupliquer en Palkia. Comme ça, si quelqu'un veut un Palkia, je lui donne avec grand plaisir. Quoi. Ah bah ouais, gros. Tant qu'à faire. Tam, 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 tam. Allez hop, hyper ball, ça dégage. Et il sort sa Pokéball, je te jure, je pète un plomb. Voilà, merci, hop. J'aimerais bien que l'animation aille plus vite en fait, parce que comme ça au moins, plus vite c'est fini, plus vite on en est débarrassé. Et franchement, là on est au mois de décembre, c'est le mois parfait pour bien bosser là. Ah ouais, en ce moment, ouais, c'est trop cool. Même si là en ce moment je suis banni un petit peu de YouTube là. Bah ouais, les problèmes de droit d'auteur, tout ça quoi. Pas très cool, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas banni définitivement, c'est juste que pendant une semaine je peux pas poster de vidéo. J'ai envoyé un mail à YouTube, on va voir s'ils me répondent, mais. Normalement, ils devraient me répondre lundi parce que vu que c'est le week-end, etc. T'en as 34. Ah ouais, si tu peux. Oh là là, si tu peux m'enfiler quelques-uns avec les échanges qu'on va faire. Ah ouais, mais non. Tu peux m'enfiler qu'un par un avec les Pokémon qu'on peut échanger. Ah ouais, après je vais te les laisser parce que tu les as farmés aussi, tu vois. Donne-moi un, tu vois, juste ça me suffira. Mais comme ça, oui, tu les as farmés quand même. Moi je vais les farmer aussi. Je vais m'en capturer plein de Pokémon, comme ça je vais pouvoir faire masse de duplicata là. Ah mais je vais dupliquer masse de trucs. D'ailleurs, t'as pas le cas ou pas? D'ailleurs, en parlant de ça, t'as pas le cas ou pas du tout? Parce que si t'as pas le cas, je te le donne, hein, avec grand plaisir, mon pote. Hein. Bah ouais. Ça te fait un Pokémon légendaire? Comme tu veux, capture en 6, ça ira plus vite. Ouais. Ah, parce que les Palkia là, ça va être. Je t'en file un comme ça. Mais moi, je veux bien un Dialga si t'as. Dialga, ça peut être cool. Parce que je l'ai pas dans le Pokédex. Et je t'avouerai que ça serait cool de ouf. Ça serait cool de fou de fond. Comme ça, je vais XP un peu mes Pokémon avec. Ah voilà, en fait, je vais XP mes Pokémon avec les super bonbons. Bah, tant qu'à faire, gros, autant que je suis là, autant que j'XP mes Pokémon comme ça. Hein. Bah oui. C'est le mieux de toute façon. D'ailleurs, enfin, je nettoie mon bureau, je l'ai toujours pas fait. Putain, quel flemmard. Ah non, c'est pas quel flemmard, c'est que je suis pas à la maison la plupart de la journée, donc. Un peu compliqué tout ça. Mais je vais le faire. Et toi, ça fait plaisir, en ce moment, t'es vachement sur les lives, ça fait grave plaisir en vrai. T'es tout le temps là. Avant, c'était Immonfa, maintenant c'est Dan. Il est tout le temps là, il est trop chaud. Non, mais c'est cool en vrai, c'est grave cool. Bah vaut mieux que tu sois là, c'est cool. Mais le con, oui. Oui, les Français, j'ai galéré à capturer Palkia. Je te l'avais dit avec au moins 10 ou 12 en langue. Ah mais je suis con, mais oui, mais toi t'as la version perle. Mais non, mais c'est Dialga. Ah, j'ai cru que t'avais la version diamant, mais je suis trop con. Mais non, mais je suis con. 10 ou 12 relances, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Non mais oui, mais tu l'avais, mais j'ai cru que t'avais Dialga, je crois que t'avais la version. Ah oui, non, mais non. T'as pas la version diamant, toi. Non, mais laisse tomber, en fait. Je vais pas te donner pas le cas. Non, mais c'est juste moi qui avais oublié. J'avais zappé. Allez, let's go. Normal, c'est... T'es con ou t'es belge? Eh oh! Non, je suis pas con. Une belge, je suis normal. Voilà, parce que t'as dit normalement. T'es con ou t'es belge? Moi, je suis normalement, tu vois.
Moi j'en ai capturé plein, ça devrait aller. Ouais, des hyperboles gros. Des hyperboles. Ça y est, on a un Pokémon, plaisir. Bon, maintenant. On peut faire le bug, hein, en soi. Sauf que, attends. Sac. Ouais, on va faire les échanges. T'es dispo pour les échanges ou pas? Alors, je vais remplacer toutes mes équipes là de je sais pas quoi là. Ok, vas-y. Moi, je vais dupliquer je sais pas quoi en attendant. Je vais dupliquer des. Voilà mon équipe de la ligue. C'est pas mal, hein? Mon équipe de la ligue, gros, c'est n'importe quoi. Sac. Enfin, tu peux dupliquer n'importe quoi, c'est fou. En soi, bah, des hyper balls, des master balls. En plus, j'en ai 6. Elle est impeccable. Il faut que j'appuie sur... Alors attends, c'est quoi déjà le bug? C'est ça, tu vas dans... Attends, ouais, c'est ça. Ah non, tu vas dans le sac, non? Attends, merde, je sais plus. Ah, je sais plus. C'est A et ZR, on est d'accord. Ah voilà, c'est ça. Attends là. Ah, j'ai pas réussi. Mais non, mais. Ouais, les super bonbons. Je fais des duplications. Là. Je duplique. Je triche dans le jeu. Merde. Et je sais plus pourquoi ça veut pas. Non, non, non. Ah, ça a marché là. Ah, ça a marché. Impeccable. Mais pourquoi ça n'avait pas marché? Je comprends pas pourquoi ça n'avait pas pu en même temps. Ok, nickel. On attend que l'animation se fasse. Ouais, c'est bugué, hein, c'est normal. Pour avoir masse de. Hop. Sac. Voilà. Là, je fais B du coup. Ah non, attends. Sac plutôt, ouais. Ah, je sais pas si ça a marché du coup. Je crois que j'ai foiré. Ah, j'ai foiré le truc. Ah, j'ai foiré le truc. J'ai foiré le truc. J'ai rien dupliqué du tout là. J'ai pas eu le temps. Non, mais ils sont que niveau 2. Non, mais je suis trop con. Pour jouer à Perle là aujourd'hui. T'as pris ta 3DS pour jouer? Ah oui, parce que oui, ils peuvent lire les jeux DS, c'est vrai. Moi je risque de me faire tuer par contre. Je suis trop con en fait d'avoir pris des Pokémon faibles. Eh ouais, mais en fait je suis trop con. J'aurais dû garder un Pokémon assez fort. Non mais moi si je suis trop con gros. Qu'est-ce que tu veux que je gagne contre ça? Non mais des fois j'ai envie de... Je crois que je vais faire que des... Oh, je vais mettre que les Palkia là. Je vais dupliquer les Palkia aussi parce que ça va vite me gonfler. Mais attends, mais si je crève contre ce piaf là.
Non mais au moins tu vas pouvoir jouer à Perle. Mais c'est dommage que t'aies pas la Switch. Parce qu'en vrai il te plairait bien sur la Nintendo. Enfin, tu vas voir, tu verras, mais en vrai il est sympa, ouais. Allez, on l'élimine. Je vais prendre que des Palkia comme ça, moi ils vont pas me faire chier ces Pokémon là à 2 balles là. Je vais dupliquer masse de... Bah ouais, du coup je vais pas avoir le temps. Je suis trop bête, je suis trop bête. Hier j'ai eu deux Pichu Shiny au Poké Radar sur Platine, putain, GG. Lol. GG. Alors attends, en fait je suis trop con parce que en soi, je vais reprendre leurs objets à ces Pokémon de merde là. Je suis trop con, j'ai mal réfléchi. Objet. Oui. Oui. Objet. Oui. Objet. Je vais les redonner après parce qu'en fait je vais dupliquer les 3 Palkia que j'ai. Vu qu'ils sont au niveau 47. C'est mieux, ça sera largement mieux pour faire le duplicata en fait. Objet, oui. Ouais, Dan, on va faire 2 secondes, on va faire l'échange juste après. Et je vais mettre ces putains de Pokémon. C'est dommage que ça peut pas aller plus vite. C'est vrai que c'est tellement lent, mon pote. Et j'ai masse de boulot aujourd'hui. J'ai à peu près... en vrai, je dois avoir à peu près 12 heures de taf à faire aujourd'hui. Environ. Voire même plus parce que je suis vraiment... Aujourd'hui, ouais, c'est pour ça que je suis hyper occupé aujourd'hui. Parce que demain, je travaille pas. Du coup, faut que je m'organise. Enfin, soit eux, je peux les garder maintenant que j'ai niveau 47. Oui, non, mais je vais les garder, eux. Du coup. Donc là, on est bon. Attendez, j'ai mes Master Ball là. Le Poké Radar des new jeux est 100% random. C'est horrible. À chaque rencontre, tu as quand même 7% ou que la chaîne casse. Hier à 38, ça a cassé du coup. Pour cela, je suis de retour sur Platine de 4G. Ok. Ouais, parce qu'elle était, elle est peut-être plus simple à l'époque, mais là, ils l'ont rendu. Après, il faut voir quand ils vont sortir le patch, tu vois. Faut voir quand il y aura le patch. D'ailleurs, il existe ce type de duplicata sur le sur Perle. Bah, ce Perle normal le, sur DS. Parce que, ou soit c'est que sur, Switch. Je me demande, tu vois. Mais je pense que c'est que sur Switch. Résumé. Donc là, j'appuie sur ZR. Ça a bugué. C'est bon, j'ai entendu le bruit. Ah non, ça a pas bugué. Putain, je pensais que ça avait bugué. Alors attends. Ça marche. En fait, c'est pas que ça marche pas à tous les coups, c'est que. Non, ça a pas marché encore. Non, ça a pas marché. Putain, mais c'est chiant. Et c'est A et ZR. Et pourtant, j'appuie en même temps. 1, 2, 3. Je crois que ça a pas marché encore. Non, ça... Putain, mais hey, wesh. C'est gonflant. 1, 2. Hier, j'y suis arrivé du premier coup. Là, je n'y reste pas. Non. Wesh. On t'allume la mèche. Non, attends. Là. Ah, je sais que je suis pas arrivé là. 1, 2. Et gros, pourquoi j'arrive pas? Tout à l'heure ça a marché. Attends, pire avec Notor. C'est A et ZR, on est d'accord. Putain, pourtant j'appuie sur les bonnes touches. Non, là j'ai pas pu. Ah oui, là j'ai. Ok. Et si je fais A et ZR? Ah ouais, mais il faut vraiment faire en même temps. 1, 2. Là ça a marché. Yes! Putain! Il faut vraiment appuyer en même temps, Mais c'est vraiment au compte-goutte près en fait. Voilà, là il faut être sur l'équipe.
Ok. Donc là, il faut attendre que l'animation se fasse. Ensuite, ok, dirigez-vous vers la ligue Pokémon, mais je m'en fous complètement. Donc là, je vais dans sac. En bas à droite. Donc là, je suis dans sac. Ensuite, je récupère les objets. Remettre dans le sac. Bon, remarque, vu que je vais dupliquer... Attends, mais non, je suis con. En soi, vu que je vais dupliquer les Palkia contre ces Pokémon-là, je vais déjà dupliquer ces objets-là, donc... Et hop, vous allez voir, c'est magique. Ça va bugger, hop. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai trois, j'en ai trois de plus. J'ai juste récupéré ces objets-là pour, hop, objet. Remettre dans le sac. Que la chaîne continue maintenant, c'est 83% si tu tues et 93% si tu captures. C'est une très grande différence. Ah ouais, putain. Remettre dans le sac. C'est chelou, ouais. Ouais, mais parce que j'ai tout dupliqué, je les duplique. Je les duplique, du coup, bah je mets des Pokémon nuls à chier pour éviter. En fait, c'est eux que je duplique. Ouais, enfin, je duplique les Pokémon et je peux dupliquer aussi les objets. C'est un cheat en fait. Enfin, c'est un cheat dans le jeu. Je remets dans le sac, oui. Et donc là, ça va bugger. B. Hop, ok. Là, je fais fuite. Voilà. Et là, normalement, ça a putain de bugger. Et là, hop, comme de par hasard, mon équipe est normale. Et voilà, j'ai 3 nouveaux de plus. Là, pour vous, ça a rien changé. Mais j'en ai 6 de plus du coup, parce que je les ai retirés. Et donc, regardez dans le sac, hein. Dans le sac, là, j'en ai 4. Du coup, j'ai pu le récupérer. Et là, j'en ai 4 plus 6. Du coup, ça me fait 10. 10 Master Ball. Mais attends. En plus, quand je vais dans l'équipe, tu vois, regarde, paf. J'ai 3. Voilà. J'en ai 3 de plus. Du coup, c'est trop bien. Hop. Mais je vais pas les mettre pour la ligue. C'est juste en cas, s'il y en a, ils veulent des échanges ou quoi. Ben, j'ai de quoi, en fait, tu vois. Objet. Oui. Comme ça j'ai les Master Ball. Oh mais je suis à la fin du jeu, donc voilà, je m'éclate quoi maintenant. J'ai pas triché. De toute façon, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avant hier. On m'a dit ça hier ou avant-hier. Je savais même pas que c'était possible alors. Ah, je prends le Master Ball. Je les ai toutes prises là. Comme ça, les Conotor, ils dégagent, ils me serviront juste pour des échanges de merde. Voilà. Bam. J'arrive, Dan. Je me dépêche. Hop. Hop, comme ça. Hop, j'en ai 6. Je ferai les Master Ball après. Et voilà. Voilà, c'est pas le cas. C'est n'importe quoi. Ah merde, j'ai pas récupéré toutes les Master Balls, tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Je vais me mettre dans le sac. Objet. Remettre dans le sac. Ah mais c'est ceux de tout à l'heure, ok. Ah mais ça a dupliqué. Ah mais tu peux dupliquer 12 fois plus rapidement. Parce que tu dupliques. En fait, tu dupliques le Pokémon. Mais en plus, si tu reprends l'objet. Oh putain, mais oh, c'est une bonne idée. Ça a marché. En fait, j'ai récupéré l'objet qu'ils avaient dans la main, mais en même temps, je les ai mis dans le... Attends, mais c'est... Non, attends. Peut-être que je me trompe. Parce que si tu les mets dans le sac alors que t'as récupéré déjà l'objet... Ah, je sais pas. Ça pourrait être 12 fois plus rapide, en fait. Si tu vois le truc. Ah, peut-être que... Je suis en train de me demander si j'en ai plus de 10, c'est bizarre. Non, moi, je devrais en avoir 10, hein. Même moins que ça. Ah si, je devrais... Non, attends, si c'est 6, 12. Si, je devrais peut-être en avoir 12, en fait, parce que vu que c'était 6... Ah, si, attends, voyons. Attends, parce que je suis pas sûr de ce que je dis, là. Ah, c'est ça, si, c'est bon. Non. C'est quoi ton glitch? Mais en gros, je pense pas que tu peux le faire sur Perle. En gros, ben, c'est que... Enfin, sur Perle, sur DS.
Mais non, non, il y en a que 12. Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est une grosse connerie. Je pensais qu'on pouvait en avoir plus que ça. Bref, j'arrive à faire l'échange vite fait. Je te montrerai après, David. Alors, attends. Un salle mondial 80-80 comme d'hab. Avec mot de passe. Hop. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué à la Switch et là j'y joue. Putain, tu sais, j'avais laissé tomber la Switch pendant presque 3 semaines. Et là, hop, j'y rejoue 80. Enfin, pas 80 heures, mais j'y rejoue quoi, une vingtaine d'heures de plus. J'arrive. Ouais, en fait, le glitch, ça duplique en fait tes Pokémon et ça duplique les objets que tu mets dans tes Pokémon en fait. Ça a pas marché, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est pas toi. T'es qui toi? Non, non, je te connais pas. J'ai mis 80-80-80, mais je suis sûr, ça a pas marché. Soit t'as pas encore rejoint. Il doit y avoir plusieurs salles, je pense, en 80-80-80. Et je suis sûr d'avoir mis 80 en salle mondiale. Bon, je me mets au centre, je t'attends si t'es pas venu ou si t'es là ou si t'es pas là, je sais pas. Ça a dû encore bugger encore une nouvelle fois. On a l'habitude, hein, on a l'habitude. Avec Je pense pas que ce soit toi non plus. Du coup, Dan, t'es toujours là ou pas? Enfin, t'es arrivé ou pas du coup? Ah, ok. Non, mais toi, je veux pas. Il y a une chance sur combien de rencontrer les mêmes personnes au même endroit, c'est ouf. Bah ouais, c'est clair, il y a une chance minime en fait. Bon, après je fais la ligue. Hein. Je vais me faire quelques duplicata de pour faire évoluer Karmash et encore Chakrok. Bon, c'est vrai que tu as 4 Palkia. Bon, j'en ai même plus que ça. J'en ai 6, mais c'est pour parce que j'ai dupliqué en fait. En gros, quand t'as un Pokémon, tu le remplaces par un ancien... en fait, tu captures des Pokémon de merde. Et ça va en fait le dupliquer, enfin ça va le copier en fait, ça fait du copier-coller en fait. Il y a toujours des petits bugs sur le online. Ouais, c'est chiant. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est pour ça que ça fait ça en fait. Et en gros, comment j'ai fait, je suis sur mon menu de base, le menu du jeu. Après, j'ai fait une manipulation qui permet justement après de les dupliquer. C'est un peu compliqué à t'expliquer, il faudrait que tu voyes une vidéo comment ça marche et tu vas vite comprendre. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo, tu vas vite comprendre. Alors, je vais t'envoyer le lien de la vidéo que m'a envoyé Dan hier. Et comme ça, alors attends. Hop. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo. Copier l'adresse du lien, tu vas voir exactement comment ça fonctionne. Alors ça fonctionne pas sur DS. Voilà, et tu vas voir, normalement ça te montre comment ça fonctionne à peu près. Alors du coup, ouais, bah, je t'échange un Pokémon de merde, m'en veux pas mon pote. Ah merde. Attends, merde, ça a foiré. Parce que j'ai appuyé sur B sans faire esprit. Tu m'en renvoies un Manaphy alors j'en ai déjà, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Oh, ça me fiche. T'en as mis combien de... on va faire combien d'échanges là? Un seul ou plusieurs? Parce que tu m'as dit que t'allais m'envoyer Gobu aussi. Mais de toute façon, tu peux le dupliquer, donc tu peux le garder aussi du coup. De quoi t'as mis un super bonbon, un sur les 6. Ou t'en as mis un à chacun? J'ai pas tout compris là. Ah, t'en as mis un sur les... Oui, d'accord, ok. Un de chaque quoi, ok. Mais merci.
M'en veux pas si je t'envoie que des Pokémon pourris. Allez, let's go. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire la ligue aujourd'hui, tellement que en fait on fait tellement autre chose. Non, je sais pas, je vais jusqu'à 10h30, alors on va voir. Il faut que j'aille faire chauffer la voiture, vu qu'on est en plein hiver, elle a du mal. C'est une vieille voiture, elle a 30 piges, la voiture, donc... du coup, voilà, après, j'en ai pour 10 minutes pour la faire chauffer. Entre, ouais, 5 minutes, allez, minimum 5 minutes. Et ouais, parce que j'ai pas envie de la bousiller, et vu que je la fais rouler beaucoup avec le boulot, elle roule énormément en ce moment. Oh, ben je fais 400-500 km par semaine, donc... ça va vite. Ça... Oh, je l'avais pas, lui, ce ribou. Enfin, je l'avais dans le Pokédex, mais je l'avais pas en capturé. Enfin, en même temps, j'en ai aucun de en capturé. Allez, petit échange de merde. N'empêche, c'est juste trop bien Pokémon parce qu'en soi, tu peux faire tellement de trucs. Il y a tellement de gens qui jouent dessus. Enfin, ça reste un bon jeu. Après, ils vont sortir Arceus, mais Arceus, est-ce que je vais me le prendre? Je sais pas. Pam, pam. Attends. Oh, Simia Braise. Oh, tu gères. Ah, je le veux bien. Tu me l'as dupliqué? Tu gères. Tu gères, tu gères. Ah ouais, comme ça, pas besoin d'aller le capturer. Ah, Simia Braise, c'est pas mal. Il est niveau combien d'ailleurs, qu'on rigole? N'oublie pas de m'envoyer Gobu. C'est celui de l'aventure. Mais tu veux que je te le renvoie du coup? Attends, mais tu veux que je te le renvoie ou pas? Il est niveau 70. Envoie-moi des Pokémon vraiment où t'as pas. Où c'est bon. Là, tous les Pokémon que tu m'envoies, j'ai pas besoin de te les renvoyer ici. T'inquiète, je l'ai. Bon, ça va alors. Tu m'as fait peur. Karchakrok. Ah, tu m'envoies Karchakrok carrément. Trop chaud, toi. Ouais, mais j'ai mis tellement. Ouais, mais après les attaques que j'ai sur celui-là, je préfère. Pour ça. Mais bon, je vais pas m'amuser à mettre Simia Braise en ligue, etc. Je les laisse de côté. Hein. J'ai mon équipe. Un Karchakrok. Je vais faire des duplicatas de... On va faire... Hop, bah du coup, c'est bon, là. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon, là, non? Ah non, il manquait Gobu, ouais. Je t'envoie pas le Kia à la place. T'en auras deux. J'ai la flemme, là. J'ai grave la flemme, donc t'en auras deux. T'as le mec, il échange un Palkia, quand même, genre. Il est en mode, bah t'es pas un peu fou, toi, d'échanger un Palkia comme ça, là. Espèce de sale fou, va. Putain, je suis un fou, je suis un malade. Bon, allez, go. Non, mais hé. Ouais, vous avez choisi d'annuler. Bah oui, forcément, je dois récupérer les objets. Merci, Dan. Tu gères la fougère. J'ai peut-être oublié un truc, mais c'est pas grave. T'inquiète. Donc là, sac. On va récupérer les objets. Alors, je vais les déplacer. Je vais faire... Ouais, je vais aller arnaquer mon... Mon Gobu OV16. Oh là là. L'échange qui était même pas valable, tu sais. En vrai, je l'aurais jamais changé si j'en avais qu'un, tu vois. Ça, c'est tous les Pokémon que tu m'as échangé que je mets de côté. Non, non, tu restes là, frère. Il manque qui? Il manque Gobu aussi, mais Gobu, il est là. Mais en tone up? Mais c'est les 1 an! 1 an de sub, gros! Putain, ça passe vite!
Ah, tu gères. Ah là là, un an de sub, gros. C'est terrible. Merci à toi pour tous ces... Pour tout ce soutien. Ce resub de un an, mais gros, tu gères de ouf. Merci beaucoup. Un an, gros. Putain, tu peux pas imaginer, c'est énorme. C'est énorme. Merci à toi, en tout cas. Merci du soutien. Tellement vite, ouais, j'avoue, j'avoue. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, pour tous ces subs que t'as fait pendant un an. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. T'as mis un soutien énorme à la chaîne. Ben là, du coup, j'ai déjà le... Je vais récupérer les objets qui sont là, par contre. Objet. Oui, un super bonbon. Oui. Objet. Ah là 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 là. Je vais continuer à live, vous inquiétez pas, parce que moi, j'aime ça, donc... Bien sûr, je vais continuer à live, les gars. Aux nouvelles de NC, du coup. Aux nouvelles de NC. Ah là là. Mais le nouvel an, on le fait avec David. Et... Ah, moi, je serai là que... Dans la boîte, c'est tous mes Pokémon de base à 99%. Ok. Bah écoute. On va faire le bug après. Alors normalement, j'ai des super bonbons qui traînent par là. Ah, les super bonbons. Utiliser. Non, non, pas utiliser. Ouais, j'ai failli faire la connerie. Utiliser. David. Ah ouais, vous savez que David, c'est un pote proche, tu vois. Genre, attention. Hein. C'est un pote, ouais. Ouais, ça fait des années que je le connais, le type. Ça doit faire quoi? En vrai, David, ça fait... 2013, je crois. 2012 ou 2013. 2013, je crois, ouais. Ouais, ça va faire bientôt 10 ans qu'on se connaît. Pas, putain. Terrible. Terrible, terrible. 10 ans qu'on se connaît, quoi. Masterclass. Ouais, il est bien. Franchement, il est top. Mais d'ailleurs, je peux pas mettre d'autres badges, donc t'as atteint le niveau max pour le moment, parce que ben, on n'a pas encore assez de subs sur la chaîne, tu vois. Eh oui. Il manque encore quelques subs, mais tu vas voir. Pour les 10 ans, on part en voyage. Si j'ai la thune, en vrai, si j'ai la thune, ouais. Enfin, si j'ai la thune, j'ai déjà ma baraque. Enfin, si j'ai tout ça, tu vois, ok, tu vois, si j'ai tout accompli professionnellement et tout ça, ouais, pourquoi pas. Et j'inviterai aussi Baptiste, j'inviterai aussi Angelo. Enfin, entre couilles, quoi, tu vois. Et en plus, on peut. Et en plus, peu de personnes se sub en un an. Et c'est ça. Mais c'est trop, ça serait bien de débloquer 2 ans. Enfin, si, tu peux le débloquer, ça existe. Hein. Il y a 1 an et demi, je crois, 2 ans et demi. Enfin, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, etc. Very bad trip. Mais moi, franchement, j'ai vraiment envie, si j'arrive à avoir énormément de thunes avec les réseaux sociaux et tout ça, mais avec grand plaisir, je vous fais un voyage, je vous paye le voyage à tous les quatre. Et Jérôme, pardon, Jérôme, faut pas l'oublier, attends, c'est mon meilleur pote quand même, je suis con. On va pas l'oublier, le petit GG. Mais voilà. Et je pense que vous allez pas dire non, clairement. 10 ans de sub. 10 ans de sub. En soi, c'est possible, hein, parce qu'en soi, ça fait combien d'années que je suis... Attends, point d'exclamation FC. Attendez, vous allez voir combien d'années j'ai créé cette chaîne. Voilà, ça fait 6 ans, 3... Et c'est presque ça. Ça va faire 7 ans que je stream, mon gros. Il est obligé. D'ailleurs, il va être là normalement... Enfin, j'espère de tout cœur qu'il va être là pour le nouvel an. Comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Normalement, il va être là pour le nouvel an. Normalement. Vous le connaissez, hein. En vrai, David, Baptiste, Angelo, Jérôme, vous les avez déjà vus sur la chaîne. Ils sont déjà apparus sur Twitch, tous les quatre. On a déjà fait des soirées à l'époque où on faisait des lives et tout. C'est pas non plus 10 ans, NC, les matchs, les maths, voyons. Non, mais ça fait pas 10 ans, mais genre dans 3 ans, ça fait 10 ans. Enfin, dans 2 ans, non, 3 ans, ouais, 3 ans. Ouais, dans 3 ans, ça fait 10 ans, tu vois. 3 ans, ouais, oh. Non, il faut que j'aille dans un résumé. 1, 2, 3. J'ai pas réussi le bug. Putain, c'est trop chiant. Ouais, pour le Dipikata, en vrai, c'est bien, mais c'est juste que c'est long. 1, 2, 3. Yeah, j'ai réussi. 1, tac, 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 tac. Là, je vais avoir 12 super bonbons, du coup.
On va faire 2-3 fournées comme ça. C'est pas grave, hop, voilà. Là. Seulement avec ce compte. Oui, mais après, ça fait plusieurs années. Hein. Tonup et Dan, ça fait des années que vous me suivez. Hein. Et David aussi. Hein. Sur Twitch. Hein. Je te connais sur YouTube depuis 2017. Ça fait bien, ça va faire 5 ans, mais ben dis donc. Et la chaîne a été créée en 2015. Alors, putain, ça me rajeunit pas. Ben, j'avais 16 piges. Hein. Même presque 17. Ouais, 16 piges quand j'ai créé Twitch. Ma chaîne Twitch. 1, 2, hop, là, on descend en bas. Ensuite, on reprend les objets. Alors, je vais pas dupliquer le gobou machin. Là, juste, je reprends les objets. Je vais pas dupliquer les Pokémon, là. Remettre dans le sac. Objet, remettre dans le sac. D'ailleurs, tu vas avoir 23 ans le 24 décembre. Exactement. Non, mais ça va. Un an, c'est bien, déjà. Il y en a, c'est rare qu'ils me suivent pendant un an. Hein. C'est rare d'avoir des gens quand même qui me suivent pendant toute une année. C'est rare. En vrai, il y en a. Il y a des gens comme ça. Mais c'est rare qu'il y en a, vous me suivez pendant plusieurs années d'affilée. Même s'il y en a, vous venez pas souvent, etc. Même s'il y en a, vous venez plusieurs fois par semaine. Déjà, c'est très bien. Il y en a déjà, vous passez déjà. Même il y a des gens que j'ai pas revus depuis quelques mois. Et qui reviennent sur la chaîne. Tu vois, ils sont là. Oh, salut Nucrins, comment tu vas? Ça faisait des mois, des années que je t'avais pas vu et tout. Qu'est-ce que tu deviens, etc. C'est trop bien de voir des gens qui reviennent comme ça que j'ai pas vu depuis des années. Enfin, que j'ai pas vu dans le chat depuis des années, tu vois. T'es là en mode, ah, bah c'est cool, tu vois. Bah ouais, y a des gens qui vous me suivez depuis bouf. Ont leur période et donc ils n'auraient jamais les mêmes streamers. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, des fois tu vas regarder d'autres streamers, tu vas pas me regarder tout le temps parce que bah, forcément le contenu va pas forcément. Là, Pokémon vous intéresse. Mais pareil, si je fais un autre jeu, je sais pas, je fais un Call of Duty, bah pareil, ça vous intéressera pas du tout, tu vois. Même après, si d'un côté, vous me regardez plus moi parce que je parle beaucoup, etc., on discute ensemble et tout, que. Voilà, enfin, que dans ce que je voulais dire, enfin bref, vous m'avez compris. Et 2019, ah, ça va. Ça va, ça va. Bon, allez, du coup, on est bon, le duplicata a marché. Moi, quand c'est univers Nintendo, je prends. Bah d'ailleurs, y a un autre jeu que j'aimerais faire de chez Nintendo, mais c'est pas encore... oui, c'est Pokémon Arceus, mais... Enfin, Arceus ou Arceus, comme vous voulez. C'est un jeu Mario, je crois qu'on va faire, mais alors, soit un jeu Mario, soit... Si, ça risque d'être un jeu Mario. Je pense que ça risque d'être un jeu Mario, mais on verra. Mais pas de suite, mais ça va arriver. Genre, là, je vais avoir ma période FPS, là, bientôt. Je vais refaire ma période FPS. Hop, ben on va reprendre les objets, du coup. Hop. Maintenant, j'ai juste à refaire le duplicata maintenant que je les ai dans le... Non, mais je suis con, j'ai juste à refaire le même... Non, mais je suis trop con, en fait. Je vais pas les reprendre. On va refaire encore une fournée. J'ai oublié que je m'étais désabonné de toi pour me réabonner juste pour la musique de Notif. C'est possible. Mais normalement, ça le dit, mais bon, pas grave. Ah, t'es prêt? 1, 2... J'appuie en même temps, là. Alors, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Putain! 1, 2. Putain, je suis vraiment en retard de ouf ou quoi? Putain, ça veut pas marcher. Alors attends, 1, 2. Ça marche pas, gros. Ça a pas marché, je le sais, je l'entends au son. Ouais, c'est chiant, désolé, mais tu as remarqué que depuis le moment où tu ne streams qu'une fois ou deux fois. Tout le monde te voit. Est-ce que c'est le fait d'avoir moins de live qui incite à venir plus souvent? Mais là, en ce moment, cette semaine, j'ai fait beaucoup de live. Hein. Cette semaine, il y a dû avoir 5 lives faciles. Hein. Ou voire même 6. Mais il y en a eu un chaque jour de la semaine, je crois. Live tous les jours, quasi, il me semble. Ah oui, oui, si, 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 c'est ça. Ouais, cette semaine, j'ai live quasiment tous les jours. Ah, ça a marché. Là, j'ai entendu. Là, ça a marché, putain. Il fallait, je parle avant le Pokémon. Avant le Pokémon, non, je l'avais presque pas parce que j'avais des choses à faire professionnellement. Et du coup, je suis. En ce moment, je suis vraiment occupé. Là, ça va, j'ai des heures en fait. Le matin, des fois, ça m'arrive d'avoir une ou deux heures pour stream. Du coup, bah, je peux stream le matin, tu vois. Et des fois, c'est le soir, des fois, c'est le matin, mais ça dépend. Mais là c'est pour ça. Là, dès que j'ai des disponibilités, je live, tu vois. En plus, là, le matin, c'est bien parce que je me réveille au taquet tôt. Et même si je suis un peu crevé après en fin de journée, mais ça va. Franchement, ça risque sûrement d'être Mario Odyssey parce que c'est celui que je voulais faire de base. Donc du coup...
Attendez, je finis ça vite fait, comme ça je récupère encore des super bonbons. Tant qu'on a le week-end. Ouais, voilà, le week-end, ça va. Sauf que demain, malheureusement, je live pas. Juste demain, je live pas. Je suis pas dispo, je suis à la Toulouse Game Show. Donc demain, je ne pourrai pas live. Ouais. Vers 9h. Moi, je me suis levé à 7h50 du matin. Et pourtant, je me suis couché, il était 1h du matin, tu vois. Bah, c'est juste qu'il y a des journées comme ça, j'arrive pas à beaucoup dormir. Genre avant-hier, j'ai super bien dormi, tu vois. Mais ça dépend des moments. Donc là, on récupère les objets. Maintenant que ça a bugué, objet, remettre dans le sac. Hop. Et on va faire ça à chaque fois. Enfin, je vais récupérer un maximum parce que comme ça. Objet, remettre dans le sac. C'est juste que c'est répétitif après. C'est un peu chiant, mais. Un sale traître. Tu nous détruis notre jour quotidien qui est le dimanche. Ben je sais, ouais, le dimanche d'habitude je live, mais là, vu que je vais à la. Je vais au Toulouse Game Show, c'est une convention de jeux vidéo, tout ça, tout ça. Moi en vrai, pour être bien la journée, ben pas trop crevé, je suis obligé d'avoir mes 8-9 heures de sommeil minimum. Ben moi ça dépend, des fois j'ai 8 heures de sommeil, des fois j'en ai que 6. Ça dépend des journées des fois parce qu'en fait j'ai des choses dans la tête, je pense à beaucoup de choses, je suis quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit beaucoup et du coup bah des fois j'ai beaucoup de mal à dormir. Enfin je dors bien la nuit mais c'est le lendemain matin, je me réveille, ah oui c'est vrai j'ai ça à faire, vas-y faut qu'on aille le faire et tout, faut que j'aille bosser. J'ai tout le temps cet esprit là où il faut que j'aille bosser et que j'aille ouais ouais. Où il faut que j'aille faire quelque chose en fait, que je sois productif en fait. Allez, on va refaire le bug une dernière fois, après je m'arrête. 1, 2. C'est bon, ça a bugué. Putain, ça a bugué du premier coup, là. Je l'entends parce qu'il y a un double clic, en fait. Vas-y. Faut que je mette dans les hautes herbes à chaque fois pour rencontrer un Pokémon, donc c'est parfait, je suis au bon endroit à chaque fois. Allez. Après c'est une histoire de cycle de sommeil. Des fois en 1h30 ce sera mieux qu'avec 8-12 heures de sommeil. Ouais ouais mais ça dépend. Ça dépend de ton corps. Ça dépend ce qu'il veut comme heure de sommeil. Mais enfin après il faut quand même avoir pas mal d'heures de sommeil quand même. Mais après des fois je me rattrape l'après-midi. Des fois après manger je dors une heure. Une demi-heure. Non surtout une demi-heure. Non je fais surtout des siestes de 30 minutes. Enfin j'en fais qu'une tu vois et après je suis bien pour toute la soirée quoi. Ouais, je fais généralement des petites siestes de 30 minutes. Mais sans mettre de réveil ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est l'après-midi. Des fois, je dors juste 30 minutes. Je dors 30 petites minutes. Voilà, l'après-midi, tranquille, de 15h à 15h30, par exemple. Et après, hop, je suis bien, hop, je suis reparti pour toute l'après-midi. Et toute la soirée, voilà. Sans problème. Jusqu'à 22, 23h, enfin, jusqu'à 23h minuit. Après, je suis crevé, je me couchais, tu vois, ou 1h du matin, gros max, quoi. Allez, on reprend les objets. Remets dans le sac, oui, blablabla. Allez, c'est une dernière ça et après je vais attaquer la ligue. Mais c'est trop bien, hein. Soit ces heures de sommeil là, c'est. Enfin, c'est bien d'avoir. De dormir un petit peu. Après, je me rattrape en faisant des siestes, tu vois, mais c'est pas vraiment. Tu dors pas vraiment. Même si j'ai tendance à me détendre énormément, j'ai des techniques pour vraiment dormir très rapidement. Ben, comme les militaires en fait. Parce que les militaires, il faut savoir que des fois, ils peuvent pas dormir entre deux missions. Entre deux missions, par exemple, qu'ils ont énormément d'heures en fait entre les missions. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent dormir là où ils veulent. Donc, ils peuvent dormir comme ça. Ils dorment assis. Ils peuvent dormir assis. Moi, j'ai encore du mal. Mais, entre guillemets, oui, j'y arrive. Mais sans. Il faut quand même un peu plus de temps. Mais, genre, vraiment, si je détends tous mes muscles et j'essaye, justement, c'est une technique militaire qui permet justement de se détendre très rapidement. Tu détends tous tes muscles, que ce soit du visage, des jambes, etc. Tu détends partout et là, tu vas bien t'endormir. Et voilà, et après tu dors quoi. Pendant 20 minutes. Et juste 20 minutes. Genre 20, 20, 30 minutes. Et tu récupères à peu près 3 heures de sommeil. C'est équivalent à peu près à 3 heures de sommeil. En fait, tu rentres dans un état hypnotisant. Enfin, hypnotique. T'as plusieurs états de. Comment on appelle ça? Putain, je suis pas un expert. Hypnotisant, t'as plusieurs états en fait. Et là, en fait, tu rentres dans l'état entre guillemets de sommeil, mais pas profond en fait. T'es dans un sommeil paradoxal entre guillemets. Du coup, tu dors quelques heures. Enfin, c'est équivaut à quelques heures pour ton corps et pour ton esprit, tu vois.
Après, je suis loin d'être un expert là-dedans, mais... D'ailleurs, j'en ai combien du coup de super bonbons quand on regarde ça un peu? J'en ai 18. Putain, la vache, on a fait 3 fournées. Ça suffit amplement pour monter le niveau mes Pokémon. Je vais les garder sur Palkia, tout ça, tout ça. Comme ça, je pourrais faire ma fournée de... Ou soit je vais les récupérer. Non, je vais les récupérer. Objet... objet remettre dans le sac. Donc voilà, c'est ce que je fais en fait pour dormir, c'est le mieux. Voilà. C'est une bonne technique d'ailleurs, mais j'essaye. Après, ça marche pas tout le temps. Hein. Des fois, j'y arrive pas. Mais ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Enfin, ça fait plusieurs mois, ça fait un an ou deux que j'essaye de faire ça. Mais en vrai, ouais, 10h30. Non, mais si on peut réussir le conseil 4 déjà, ça sera. Ça sera pas mal. Sinon, je mettrai le jeu en pause et on reprendra demain. Mais. En vrai, ça peut le faire du fait que on va essayer pour le conseil 4. Mais voilà, en tout cas, c'est vachement une bonne technique, ça, d'essayer de vous entraîner à bien dormir partout, que ce soit sur une chaise, voilà, où vous voulez. C'est ultra stylé parce qu'en soi, ça c'est juste trop bien pour récupérer. Tu dors 20 petites minutes et bam, après, tu repètes la forme de ouf. Ah, moi, c'est ce que je fais, c'est pour... comme ça, je peux travailler, je suis productif. Je peux faire les choses que j'ai à faire et puis c'est tout quoi. Hop, ça c'est les Pokémon qu'on m'a échangé, je les laisse. Je range tous mes Pokémon. Tiens, toi tu vas aller là. Ah là là. Donc voilà, comme ça, c'est des trucs à bosser. Et bientôt il va falloir que j'essaye aussi. Là je suis en train de m'ouvrir un cahier là. Enfin un cahier. Un livre d'anglais. Après je regarde aussi, il faut que je regarde des séries en anglais. Merde, bah oui, c'est vrai que j'ai qu'un Pokémon. Des livres d'anglais, tout ça, tout ça. Je faisais des siestes à chaque pause. Ouais, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux pour être productif et puis pour être pas fatigué le soir. Tu puisses profiter de ta vie au maximum. T'imagines, avant, j'ouvrais pas un pet de cahier quand j'étais au collège ou au lycée. Maintenant, j'ouvre des livres et tout pour étudier, pour être. Ben voilà quoi, pour me booster le cul. Enfin, pour me bouger le cul, booster le cul, bref. Mais ouais, pour être au maximum de ma forme et tout ça, tu vois. Vu qu'ils ne sont pas... Ouais, je sais, ouais. Ouais, mais les EV, c'est long aussi à EV les Pokémon. Hein. Bah, je vais monter Karchakrok un peu, enfin Carnage. Vu que j'ai pas mal de... Bah, j'en ai 24, donc je m'en garde 6. Ah, tu peux lui en donner un nombre... Ah ouais, c'est stylé, ça. Tu peux choisir le nombre que tu... Ah, attends, mais on va lui... Attends. Il m'en faudrait... Bah, tiens, je vais t'en donner 10. Ça fait 55. Bah, 15, du coup. Prendre mal de fille, il est full UV, il t'adore. Ouais, c'est vrai qu'on m'en a dit... C'est n'importe quoi, les super bonbons. Tu peux donner un nombre illimité de... Bah, c'est n'importe quoi. Il doit pas m'en rester beaucoup, d'ailleurs. Vous voulez prendre tunnel? Est-ce que tunnel c'est bien ou pas? Non, séisme c'est 3 fois mieux. Non, en vrai là j'ai que des bonnes attaques. Hein. 80, dracogriffe, morsure. Ouais, mais là j'ai feu, ténèbres, sol, dragon. Non, je suis désolé, tunnel je te la prendrai pas. Tempête de sable. Bah non plus, hein, du coup. Il va évoluer. Donc je l'ai monté level 60 du coup. Au pire je refais des... Au pire je fais des... je fais un peu plus de super bonbons et puis c'est tout. Ça devrait passer large en vrai. Je les monte niveau 70 chacun et puis basta. Ça peut aller ultra vite en soi. Va prendre Machouille. Ah, Machouille, je veux bien. Machouille, c'est 80. Morsure, c'est 60. Alors, oui, bien sûr. Bah, par contre, en précision, il y a combien? 100? Oui, ça va, c'est bon. La précision est bonne, donc tout est correct. Et voilà, le passe de morsure, ça sera Machouille. Oh, j'ai que des Pokémon ultra stylés. Je peux redonner deux super bonbons à deux Pokémon. De toute façon, Gramax, ça sera ma cogneur à la rigueur. Mais ouais, non. Bah, vas-y, de toute façon, on va.
Attends, sac. Moi, je veux donner des objets. Donner, voilà. On va refaire une fournée vite fait. Même deux, même trois, on va en faire plusieurs. Mais au pire, on attaquera vraiment la ligue demain parce que j'aurai jamais le temps avant 10h30. Faut que je level up mes Pokémon. Même si en soi, là, je peux pas battre pour H. Si, je peux peut-être battre la ligue, mais enfin, au moins le conseil 4. Équipe. Allez, vous êtes prêts? 1, 2. Et d'ailleurs, ah si, dans ce Pokémon-là, David, j'avais oublié de dire, mais dans ce Pokémon-là, tu peux... ouais, tu peux avoir des Pokémon qui se promènent derrière toi. Voilà, c'est un petit ajout en plus. Tu peux te promener avec le Pokémon, ça c'est cool. Oh, ça n'a pas marché. 1, 2. Ça a marché. Ah oui, et oui, voilà, c'est déjà mieux, tu vois, que les anciens. Pour les UV, il suffit de cloner les carbones, faire zinc. Il suffit de 26 carbones pour VMAX, la vitesse. En vrai, c'est plus rapide. Ah oui. Eh, hey, la vitesse est... Ah ouais, mais t'es pas bête, toi. Attends, je me fais une petite fournée de... Oh, je pensais que ça avait marché. Attends, 1, 2. Attends, résumé d'abord. Ah, j'appuie en même temps, là... Mais... Mais ta mère, gros. Mais attends. 1, 2, 3. Ah là, oui, c'est bon, je l'ai entendu. Ah! T'es enfin, tu marches. Ça reste plus rapide que les deux vieux à farm. Et ouais, c'est clair. Ça va, en plus, ils sont bien. En vrai, en termes de level, ils sont bien, tu vois. Sac. Objet. Remettre dans le sac. Objet. Remettre dans le sac. Il faut en farm 26, c'est quand même pas mal aussi. Objet. Remettre dans le sac. Objet, objet, objet. 530k. Objet. Hop, remettre dans le sac. Ah, essaye le bug, hein, vient marcher, putain. Regarde, tu vas voir, je vais me promener avec un Pokémon, David, regarde, tu vas voir. Non, attends, c'est pas là. Hop, sac. Allez, peu importe le Pokémon, on va se promener avec, avec Luscray, allez hop. Se promener avec Luscray ou Luscray. Putain, j'ai vraiment du mal avec lui à chaque fois pour dire son putain de... voilà, en fait, qui est grave stylé, je trouve, c'est pour ça. C'est là où j'ai grave kiffé, en fait, ce Pokémon-là par rapport à celui sur DS. Parce que là, voilà, hop, voilà. Voilà, tu peux te promener avec ton Pokémon. Trop stylé, voilà. Ça c'est un truc, ils auraient dû faire ça depuis tellement longtemps. Voilà, ça c'est juste trop stylé. Ça c'est... Bref, sac, du coup je vais reprendre les objets des Pokémon. Enfin, je vais les échanger, ça va plus vite. Avec des... Alors c'est quoi qui augmente la vitesse, tu me dis? Une boisson traîneuse d'ici, la défense spéciale, le fer c'est la défense, la protéine, l'attaque de base. Je crois que j'ai pas le truc pour mettre le plus de rapidité. C'est les protéines? Non, c'est l'attaque, ça. Ah, faut que j'aille en acheter à Volaroc, putain. À Volaroc. Là, c'est automatique, tu vois, parce que les tours raptors, je l'ai pas. Et du coup, tu peux voler automatiquement sans avoir de problème. Ça, c'est stylé aussi. Tadam. Peut-être que en vrai demain matin j'aurai peut-être le temps de stream en vrai. Ah, je sais pas, c'est pas sûr. S'il faut que je parte à 11h, enfin 10h30 du moins. Je pars à 10h30. Ah, je sais pas si j'aurai le temps. Peut-être, 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 on verra. Si je me lève aussitôt qu'aujourd'hui à 8h, genre 8h du matin. Ouais, je déjeune, mais même je peux déjeuner en live.
Ça faisait très longtemps que j'ai pas mangé en live avec vous. Ouais, je déjeune vite fait et puis... Alors, c'est pas du fer. La vitesse de base, donc c'est carbone, ok. Ah, les PV de base, ça c'est bien ça aussi. Ah, oh, les PV. Non, non, mais je vais pas manger maintenant, mais en gros, demain matin, on pourrait manger ensemble. Là, j'ai déjeuné déjà. J'ai déjà déjeuné, mais en gros... je vais pas m'en payer, je vais m'en payer 2. Il faudrait que je m'en paye 6, tant pis si ça vaut cher. Mais au moins je pourrais aller plus vite pour voilà, au moins ça fait 58 000. Je vais me payer les PV plus aussi, comme ça ils auront max de PV pour quand ils seront level 100. Non, en plus j'ai gagné masse de thunes avec hop 5. Hop voilà. J'ai plus de thunes du coup. Mais ouais, demain matin, pareil, je déjeune, on joue en même temps à Pokémon. Bah, faut pas hésiter en fait. T'es productif en max là. De ouf! Bah, allez, on va faire ce bug là. Alors, attends. Échanger juste contre les PV+. Enfin, pas les PV+, mais les. Attends, je vais les ranger parce que ça me saoule. Je vais les ranger par catégorie. Comme ça, je m'y retrouve mieux. Enfin, si ça veut pas bugger. Alors c'est quoi? C'est du carbone qui augmente la vitesse de base, ouais c'est ça. Alors donner. Je monte qui après Ouais. Je vais peut-être monter Lucré ou je vais voir. Qui c'est que je pourrais monter en vitesse? Parce que Pangoléon il est bien en vitesse quand même aussi. Allez, ça c'est fait, il m'en reste 2. C'est dommage qu'on peut en faire que 6 par 6. Hein. Et je vais déjà donner une dose à lui. Combien j'en ai de... Attendez, ah non, c'est là. Ils sont où les... Attends, mais ils sont... Ah, les super bonbons sont là. Combien je peux en donner à, alors 5 chacun. Au moins 5. Ah non, ça veut dire qu'il va pas m'en rester beaucoup. Qui c'est qui est le plus bas level là? Ma cogneur. Non, tu vas pas en prendre 14. Tu vas prendre 4 levels. Vu que tu l'as depuis le début, il a sûrement full UV, ouais. Tu rentres quand demain? Mais en fait, je pars de 11h à... Enfin, 10h30, je rentre à peu près à 18h. Mais enfin, 17h, tu vois. Enfin, allez, grand maximum, ouais, 17-18h. Donc, du coup, je repars bosser après avec Uber Eats jusqu'à 22h. Donc, c'est sûr, après, j'ai pas le temps. Mais par contre, demain matin, je peux essayer de 8h à 10h, tu vois. 11h, tu vois, gros max. Enfin, 8h. Là, ce matin, je voulais surtout pas mal. Je peux en donner 4 encore. Faut que j'en garde 6. Ah merde, bah, c'est lui. Oh là là, je suis trop con. Bon, putain, c'est pas grave. Je joue à ces Mac demain et je voulais passer si jamais. Ah, oublier une capacité. Coupe-croix, ça peut être pas mal. 100, ah bah j'ai enlevé corps perdu alors. Parce que dynamo point, c'est pas mal même. Ah putain, j'aurais pas dû mettre dynamo point, j'aurais dû regarder Exploforce. Oh, quel con. Oh là là. Bon, on va enlever corps perdu, mais... Ah mais oui, t'es assez meilleur. Ouais mais c'est à côté, ouais. Ah ouais, mais on risque pas d'être là. On est à Toulouse. Ah ouais, fuck. Bon, tant pis. Bah tu vois, si on n'est pas là, tu sonnes. On voit, si tu nous vois pas, c'est qu'on n'est pas là, quoi. Ah non, c'est pas ici que je devrais aller à Volarok. Y a pas d'herbe. Et mieux que Exploforce sur ma cogneur, tu penses? Ouais, mais y a moins de précision. Du coup, il peut se rater une fois sur deux, Ouais, je te dirais, mais tu t'as ton match à quelle heure déjà? Attends, je vais aller dans une autre ville parce que ça me saoule. On va aller là, mais j'aime bien aller là, en vrai, ça suffit largement à Bonogu, enfin à Litorella. Comme ça, je vais aller faire chauffer la voiture après. Au calme.
Il annule garde ou crante. Merde, j'ai pas. Non, mais je suis con, pourquoi j'ai un temps fermé? Merde, 17h30. Je sais pas, j'ai peur qu'on soit encore sur la route. Enfin, 17h, 17h30, ouais. Putain, faut que je fasse le bug là. 1, 2. Ah, ça casse les pieds. 1, 2. Merde, oh bah alors là, j'ai pas pu du tout. 1, 2. Putain, mais c'est terrible. Ah, je sais pas quel. Attends, qu'est-ce qu'il a comme talent? Très bonne question, il a le talent. Annule garde. Alors la capacité du Pokémon touche l'ennemi à coup sûr. Ah bah j'ai la chance, hein. J'ai vraiment la chance. Mais les capacités de l'ennemi ne le touchent aussi à coup sûr. Ah bon, c'est en fait c'est du 50-50 quoi. Par contre niveau vitesse il est pas si bon que ça. Niveau attaque spéciale bof. Et ça veut pas, putain, tout à l'heure j'ai réussi plein de fois d'affilée et là j'y arrive pas. Ça a marché. Ça a mis du temps mais ça marche. Merde, je suis con. On entend le bruit quand le glitch réussit, ouais c'est ça. Ouais je sais, c'est pour ça que des fois je sais que je réussis pas. Bah du coup on va retirer les objets. Objet, remettre dans le sac. Objet, remettre dans le... Il me faudrait aussi un... Ça serait trop bien que j'ai une carte d'acquisition externe, comme Baptiste, même pote à moi. Comme ça, je peux vous faire des lives avec le PC portable, avec la Switch, ou n'importe quelle autre console. Comme ça, quand je suis pas chez moi, c'est par exemple, je sais pas, je suis là-haut, là, enfin, à côté de Paris, là où je vais aller pendant ces vacances de Noël, là. Normalement, je dis bien normalement. Je devrais pouvoir stream la Switch aussi. Parce que d'un côté je pourrais stream Pokémon quoi. Je me mets dans un coin et puis je stream un peu Pokémon pendant 2 heures. Du coup ça peut être cool tu vois. Pendant les fêtes de Noël et tout. J'ai profité de la famille qui est là-bas aussi tu vois. Mais ce que je veux dire, des fois on fait rien. Donc je peux très bien live tu vois. C'est pour ça il me faut la carte son. Et ça serait bien que je puisse me repayer une carte d'acquisition. Parce que moi elles sont internes, elles sont pas externes. Ça serait trop cool. Ça serait stylé. Merde, oh non mais j'ai pas réussi. Je suis vraiment débile. Ah! Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ouais bien sûr, ouais mais après il faut que j'aille capturer les Pokémon légendaires aussi. Enfin il y a encore beaucoup de Pokémon à faire. Oui on changera sûrement probablement de jeu. Mais là c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien. C'est mon petit jeu tu vois, c'est mon petit truc. Est-ce que vous êtes prêts? Hein. Ah j'ai réussi. Trop fort. Oh là là là, j'ai réussi. Et là, j'ai réussi du premier coup, tu sais, tu comprends pas. Faut le mettre à chaque fois dans équipe. J'attends que l'animation se fasse, etc. Mais c'est grâce à l'animation en fait que tu. Enfin, non. Oui et non. Les objets. Les objets. Non, t'es pas obligé de les récupérer. Moi, ça le fait à chaque fois. Ça se met dans le sac directement à chaque fois. Hop. Objet. Remettre dans le sac. Hop. Objet. Remets dans le sac. Objet. Remets dans le sac. Objet.
Dans le sac. C'est juste que c'est chiant de refaire à chaque fois le même truc. Mais en vrai, ça va vite, quoi. Ça reste relativement rapide. Faut mettre dans le sac. Il m'en faut combien par Pokémon de carbone? Il m'en faut combien de cet objet-là pour chaque Pokémon que je dois monter niveau vitesse? Il m'en faudrait combien pour chaque... Ah, si tu comptes pas Pangoléon. Allez, 1, 2... Oh, je sais pas si j'ai réussi là, je crois pas. Ah non, j'ai pas réussi, ouais, c'était sûr. 1, 2... Je crois pas que ça réussit. Non mais ils ont fait des combats tous les deux, tous les... Non, ça y en aura moins alors. Ah, je pense que j'ai réussi. Non, putain, j'ai pas réussi. 1, hein. 2... Ah! Ça y est, j'ai réussi. T'es mal à fallu, putain. Nickel, on va récupérer les objets. 1, 2, sac. Hop, on récupère les objets. Remettre dans le sac. 26 fer pour EV l'attaque et la vitesse, c'est vrai. Alors, objet. Mais là, on remet dans le sac. On y arrive, on y arrive. Je suis une dernière fournée. On a jamais combattu au cas où. Lequel? Ah non mais celui-là c'est le mien. Celui-là c'est le mien. Ce Karchakrok là c'est le mien. Non t'inquiète, je le sais ouais. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Oui ton Karchakrok ouais. T'inquiète, je l'ai mis de côté, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès, j'ai fait exprès. Alors attends. Hop, résumé. Je crois que ça a réussi. Non ça n'a pas réussi. Putain. Deux. Non. Un, deux. Non. Non. Un. Deux. Ça y est, ça a marché. Ok. On reprend les objets. Objet remettre dans le sac. Il est quelle heure? 19h, 10h24. Dehors, ouais. Il fait pas très beau, non? Objet remettre dans le sac. Même c'est juste, c'est tellement facile et rapide à faire. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais je pense que je vais jouer à Pokémon dans ma voiture. Ouais, ouais, je vais jouer à Pokémon dans ma bagnole. Je vais prendre la Switch, je vais jouer à Pokémon le temps que... Comme ça, je vais monter un peu mes Pokémon de niveau, tout ça, tout ça. Ouais, comme ça, je suis tranquille pour demain. On sera posé pour le jeu. Je vais faire plusieurs fois le glitch dans ma voiture. C'est ça qui est bien avec cette console, c'est qu'elle est à la fois portable et elle est une console aussi de salon. Ça je trouve trop bien. Je vais pas en conduisant. Ah mais non, mais je vais m'arrêter quand même les gars. Quand même. Je vais pas jouer en conduisant.
C'est bon, ça a marché du premier coup, putain, je suis trop bon. Non, fais pas ça à chaque fois, oh, tranquille. Ah, je suis trop pressé en fait pour ça. 1, 2, sac. Hop, tac. Objet. Remettre dans le sac. Bon, on va dire qu'on aura bien cheaté sur ce jeu, mais bon, tant pis. Bon, en soi, l'histoire m'intéresse. Bon, on a déjà fini en fait, hein, donc. Ah merde, je crois que j'ai touché là. Moi j'ai chié le truc, c'est pas grave, j'en ai récupéré que deux du coup. Ouais, j'ai un peu chié le glitch parce que j'appuie sur B sans faire exprès. Allez, bon, pire une dernière fois, c'est pas grave. Ça a marché là. Let's go. Dirigez-vous vers la ligue. Oui, ça je sais. Ce sera bien pour la ligue demain, mauvais de ouf. Enfin, si demain on y arrive, hein, je vais essayer de live demain, je vais essayer. Je vous promets rien. Déplacer objet. Je vais essayer même de les monter de niveau, je vais les monter tous à 70, comme ça je suis tranquille. Je vais les monter en EV et... Bon, ça va être... Je vais essayer. Je vais essayer, c'est pas sûr, je vais essayer. 8h du matin, on va essayer. Je sais pas si je serai levé ou pas. Je sais pas si je serai trop fatigué ou pas, on verra. Moi, je mets pas trop de... Je mets pas de réveil, je déteste les réveils, donc... Oui, lundi, c'est bien. Oui, bah lundi, je peux très bien live aussi lundi, oui. Remettre dans le sac. Allez, une dernière fois et après je m'arrête. 1. Faut que tu sois en forme pour la TG, c'est vrai. Je crois que j'ai réussi, je suis pas sûr. Non. Des photos de ton event de cet après-midi. C'est demain après-midi. L'event. Je le mettrai sur Instagram. Suivez-moi sur Insta, les gars. Point d'exclamation Instagram. Si vous, enfin, à part si vous m'avez déjà tous les trois. Je sais pas si c'est encore Antonop ou pas. Oh, ta mère, tu me gonfles. 1, 2. Je crois que j'y suis arrivé là, non? Oh non, je suis pas arrivé. Allez, on se calme. 1, 2. D'ailleurs, attends, il est niveau comment? Ah, niveau vitesse, il est pas mal. Hein. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Putain, il est dedans. Je connais pas. Je vais essayer de pas oublier. Envoyez-moi un message de dire ah, n'oublie pas des photos pour l'event. Parce que ça peut m'arriver d'oublier. Ça fait 5 ans ou 6 ans d'affilée que j'y vais. 5 ans que j'y vais, je crois, d'affilée. Bon, je connais un peu le. L'event entre guillemets. Oh non! Je suis tout foiré, ouais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Je vais m'arrêter là. Ce sera plus simple. C'est tous les 1 an. C'est ça, c'est tous les ans, ouais, c'est ça. C'est tous les 1 an. Oui, enfin, oui, c'est tous les ans. Ouais. Je vais sauvegarder. D'ailleurs, j'en ai combien? J'en ai combien de carbone du coup? 32. Ah, ça va, je peux monter un Pokémon full UV. En vrai. Attends, on va t'en donner. Eh, au pire. Ah, c'est maximum 15. Ah, bah, tu le vois en fait, le maximum qu'on peut lui donner. Ça n'aura aucun effet. Ok. Ah, c'est stylé. Du coup, ouais, en fait, tu le vois en fait, utiliser. Ah, bah, lui, c'est pas possible. Il est full UV. Ça n'aura aucun effet. Il est full UV. Ah, il est full UV. Ok. Eh ben je peux pas parce qu'ils sont full.
À part le car chakra qui était pas full, mais sinon ils sont tous full. Ça n'aura aucun effet. Ils sont tous EV. Niveau vitesse, ils sont max. Enfin, après, il faudrait que je les monte de niveau, tu vois. Mais en vrai, ils sont tous niveau max, niveau vitesse. Juste à part le car chakra qui était un peu pourri. Faudrait que je fasse le faire, mais sinon, c'est pas mal. J'ai par contre 130 au niveau du Pokédex. Ça, c'est vraiment pourri. J'ai rencontré aucun Pokémon du jeu. Bon, je m'arrête là. Je vais jouer de mon côté tout seul. Si, remarque, je vais laisser la Switch allumée. Je vais y jouer dans la voiture. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas eu en version portable. Ah, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué la Switch en version portable. Ah ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Eh bien, merci de m'avoir suivi. J'adore cette ambiance-là où il y a un petit peu de lumière comme ça. C'est stylé. Par contre, la caméra, elle est pas... Oh, elle est floue. La caméra. Oh là là là. Ça, c'est à cause du mise au point automatique. Regardez, hop. Là, je suis au taquet bien. Nickel. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis une très... Ça veut dire que le Pokémon a utilisé les 210 UTP possibles sur la vitesse, attaque spéciale et tout. Ouais, bah c'est bien, c'est déjà bien. Enfin, les 510, ok. Ok. Bref, je vous laisse là. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vais aller faire chauffer la voiture. Pourquoi il neige ainsi? Ainsi qui chante. Ben voilà. Il fallait que je chante, quoi, gros. Bon, allez, merci à tous. Et on se retrouve demain matin. Ou soit, dans le pire des cas, je refais un live lundi. Dans le pire des cas. Et on finit la ligue. On les bat. Je vais les monter de Pokémon, donc vous inquiétez pas. Je vais manger, enfin là je vais pas manger, je vais surtout, je vais aller bosser, etc. Je vais faire chauffer la voiture. Cet après-midi je bosse encore, ce soir aussi. Et demain, live TGS, donc jour de repos entre guillemets. Et le soir je vais bosser, enfin bref, voilà. Bref, je vous dis à bientôt, bonne journée à tous et des bisous. Ciao ciao.